c'est mal mort. En tout cas, nous sommes de retour sur Lumber du Compte 2. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ce jeu. Il y a eu beaucoup d'updates. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a eu comme update. En tout cas, comme update, qu'est-ce qu'il y a eu, c'est qu'ils ont racheté des tableaux d'or. Et ils ont racheté aussi des champs avec les véhicules, c'est trop cool ça. En même temps, les affaires d'or, en fait, c'est un genre de magasin qu'ils ont racheté, mais c'est un magasin secret. En fait, tu trouves ça dans le labyrinthe à quelque part. Dans le labyrinthe de Blue Road, qui est quand même nouveau que... Ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Comme vous voyez ici, il y a des leviers qu'on n'avait pas avant. Je vous explique ça tout de suite. Donc, parce qu'ils ont rajouté une Shop Sword. Ça veut dire en fait un genre de scie. C'est ça qu'ils ont rajouté. Ça, c'est extrêmement utile. J'aime vraiment ça comme affaire. Sinon, ils ont aussi rajouté une Silver Axe. Et cette machine-là, c'est... Je l'ai eu avant, juste avant qu'il rajoute. C'est un peu bizarre quand même. Parce qu'en fait, c'est un de mes abonnés qui m'a donné ça à... Alors, c'est ça. J'ai genre eu la machine avant qu'il vende dans le... en fait, dans le magasin. Sinon, la Silver Egg, c'est quand même cool. Regardez ça. Non, ça c'est la rookie. La Silver Egg, en fait, ça coûte 2000 quelque chose de dollars. Ça coupe quand même vite, sauf que la rookie, c'est meilleur. Sinon, ils ont enlevé la Beta Egg. Ça c'est triste. Ils ont enlevé la Beta Egg. Et ils ont aussi fixé les jambes, je vois pas la différence. À moins qu'ils aient rajouté plus de tableaux, alors qu'ils vendent rien qu'un objet. Et les tableaux, je vais vous montrer ça tout de suite. Non. Non, tabarnouille. My god. Ok, fuck up. Regardez, c'est ça le tableau. C'est nice, hein? Sinon, une journée juste après, ils ont rajouté des leviers, des plaques de pression, des boutons et des fils électriques qui font du courant. Sauf que je trouve qu'ils ont un petit peu mal. Regardez ça. Celui-là, il marche. Regardez, il marche. Il allume la lumière du ciel comme ça. Il est bien connecté. Je trouve que, regardez l'autre, il est vraiment connecté pareil comme l'autre. Je trouve que le problème, c'est que quand j'active, il n'y a rien qui se passe. Ça n'était pas de rage après cette affaire-là. Attends. Ça fait juste de la lumière. Ok, j'ai sûrement rêvé. Ok. Donc, en tout cas, on va commencer de suite. En tout cas, j'étais en train de construire ma maison ici. J'avais un peu de l'enjeu avec les murs, alors j'ai fallu que j'enlève les planchers pour les mettre. Ah, j'ai genre storé ici. Sinon, j'ai retrouvé ma pancarte en dessous de ma bâche, alors ça fait bizarre. Sinon, j'ai acheté ça pour le fun. Et devinez quoi, là-dedans, il y a une Beta Egg. Et j'ai acheté deux tableaux. Devinez combien ça coûte ces tableaux-là. 6000$. Ça coûte quand même cher. S'il n'y a rien changé, à part un toit. Ici, regardez, ça c'est le Blue Road. Regardez, ça fait quoi si je mets mes graphiques au max. Boum, ça brille. Et ça lag pas trop non plus sur mon écran. Je trouve que ça lag beaucoup sur la vidéo. C'est cool, là, ça brille. Ça se trouve dans le Blue Road Labyrinthe, même si ça fait quand même longtemps que ça existe. Parce que j'avais pas fait de vidéo de l'instant là, alors pour ceux qui ne savent pas, je le dis. Sinon, le toit est terminé, c'est cool. J'ai même resté des escaliers il y a quand même longtemps. Ça, c'est quand même utile parce que quand tu l'allumes, ça fait de la lumière, et en plus, tu peux l'emporter où est-ce que tu veux. Comme ça. Alors, je pourrais en servir pour éclairer les grottes. Et ici, c'est mon petit garde. Mon genre de garde-robe. Puis voilà. En même temps, pour les avances rapides, je sais pas si je l'ai fait parfaitement, parce que en fait, 5 heures, ça prend peut-être. C'est peut-être un petit peu trop long pour faire une avance rapide 5 heures. Ça prend 5 heures pour. Ça m'a pris 5 heures pour faire deux avances rapides en même temps, alors, ouais. Ensuite, en fait, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une vidéo, j'ai coupé une partie, genre toutes les autres parties, j'ai republié, j'ai fait une copie de la vidéo, j'ai republié la modification, j'ai genre coupé les autres parties, c'est pas que je comprenais, mais c'est quand même dur à comprendre qu'est-ce que je dis. Sinon, après ça, j'ai fait les avances rapides, j'ai refait une autre copie, pis ça, alors. Alors, je vais peut-être essayer un autre moyen, peut-être que ça va aller mieux, je sais pas. Ça va peut-être me prendre beaucoup moins de temps. Ok, recommencer. Donc, aujourd'hui, je sais pas trop quoi faire. Ça commence bien, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Non, pas ça. Je vais vous montrer tout de suite la scie ici, regardez ça. Ils disent que c'est fait pour les gros bois, mais ça marche aussi avec les petits bois.
Regardez bien ça. Prends ton bois. Tu mets l'exemple là. Oh my god, ils ont même pas encore fixé ça. Ils disent que la bêta est enlevée. La bêta est finie, mais en fait, il y a encore plein de bugs. Alors, ça serait peut-être plus une bêta comme d'hab. Voilà, comme ça. Regardez ça, ça le coupe d'un coup. Boum. Des fois, il y a des petits bugs à un moment donné, ça veut dire arriver. Je m'en suis servi, puis là, l'arbre, il est genre rentré en dessous de la map, alors ça a genre glissé l'arbre. Et je sais, c'est le bordel, j'ai beaucoup trop de bois. Sinon, le problème, c'est que le bois ici, il a la même couleur que mon terrain ici, alors ça fait que des fois, je me mélange. Sinon, dans un autre village, j'ai commencé une couple un petit peu de démon level quand même. Comme exemple, à peu près, j'ai commencé Blue Drome, mais sauf que j'ai abandonné parce que là, il y avait un bout qui était genre compliqué. Sinon, le reste, c'est quand même facile. Je trouve qu'après ça c'est compliqué, alors c'est de la merde. Et c'est ça, sinon j'en ai commencé un autre, Y, mais j'ai arrêté. Alors que, comme genre, puisque j'ai complété X, j'ai décidé de faire Y, sauf qu'il y avait un autre bout que c'était en flèche, puis puisque c'est une tablette, puisque je suis sur une tablette, c'est hardcore quand même. Parce que des fois, comme genre, je pêche au même moment, alors ça marche pas. Sinon, j'en ai commencé un autre après. Lonely Travel, il est pas si mal, c'est vraiment facile, mais c'est trop long. Mais ouais, c'est. Ouais, je sais pas si c'est correct pour moi quand même, 6 minutes. Sinon, j'en ai commencé encore un autre. Et je le fais en ce moment. J'ai fait 22%, c'est Term Travel. Un autre level qui dure 6 minutes, que c'est un autre démon level. Sinon, pas de ça, voilà. En même temps, j'ai créé un level à un moment donné il y a à peu près 4-5 mois qui s'appelle Multiplayer Mode. Oh my god, ce fameux level. C'est vraiment fait de succès. Franchement, ça. La première journée que j'ai créé, il commence à avoir une trentaine de téléchargements. Puis il était rendu à 100 téléchargements. Ça commence à faire ça aller bien. Puis là, en même pas une semaine, j'ai eu au moins 60 téléchargements d'un coup comme ça. Waouh! Vraiment là, ce level-là va faire succès à un moment donné. Multiplayer mode. Ouais, tu l'as même pas coupé. Ça va le remettre. Voilà. Bon, de toute façon, ce bois là il est pas trop solide, alors ça vaut pas la peine de le couper assis. Voilà. Ok, il est sûrement trop petit. Bon, gars, en dehors du terrain. En même temps, je vais peut-être tester aussi une avance rapide à partir de maintenant. Et au cas où, je vais peut-être parler un petit peu, comme ça, si jamais j'ai réussi pas à faire l'avance rapide, mais au moins, on va m'entendre parler. Alors, on va commencer tout de suite l'avance rapide. Alors, je vais parler pas trop fort pour éviter que ma voix, genre, on l'entende un petit peu par la musique, sinon ça va faire bizarre. Ok, commençons. En tout cas, on va tester tout de suite la Silver X. Voilà. La Silver X, elle fait ça. Elle est pas mal. Je trouve que la UKX est meilleure. Bon, ok, on va aller chercher un petit peu de gold, oui. Ou peut-être faire le ménage. Oh, c'est vraiment le bordel. Ouh, yeah, yeah. Moi, je vais tout faire. Je vais tout aller chercher du gold, oui, pour gagner plus de cash. Comme ça, je pourrais peut-être m'acheter un bout de terrain de plus. C'est cool, là. Allons-y maintenant. Voilà, comme ça. Allongé. Vous voyez les bruits de sort, hein, c'est même trop épique. Ouais, il y en a un qui a eu sa coupe, il n'y a même pas d'arbre. Sinon, aussi dans Minor Haven, le Excalibur a été retiré. En même temps, il y avait aussi un genre d'Haven que c'était la fête de Minor Haven. Et puis, c'est vraiment cool en tout cas. Fight de Minor Haven, on peut avoir un genre d'upgrade gratuit à chaque fois qu'on ouvre notre daily gift. Upgrade jusqu'à un trio malheureusement. Alors c'est plus pour les gens qui sont en première, deuxième, troisième live qui ont un peu de la misère comme genre
agrégé dans le minerai avec les squash hunters. On va éviter de trop s'approcher du sort pour éviter qu'on que ça s'en va par-dessus notre voie. Voilà, comme ça va être bon. Parce que, en même temps, il y avait un autre exotique, c'était un gâteau. En tout cas, là-dedans, j'ai genre dépensé 200 quelque chose de robuste et j'ai toujours pas eu cet exotique-là. Avec les boîtes. Bien, en fait, les Unreal Box. Pas mal, là. Moi, j'ai ouvert au moins une vingtaine de Unreal Box, puis j'ai rien qu'à compter au moins deux fois. Même pas. Peut-être un petit peu trop fort. Parce que je vois tout de suite dans mon affaire de filmeur que ça dit que c'est que ça comme genre ça monte quasiment au maximum. En tout cas que je coupe un foutu bois. Oh my god, j'ai toujours de la misère de placer un foutu bois. Regardez ça comment c'est joué. On va peut-être enlever ça. Voilà. Ouais. Voilà. Facile. On va couper cette branche là. Voilà. J'espère que ça va être parfait. Normalement, ça devrait aller. Juste à faire ça. Oh my god. C'est mieux de te placer comme du monde parce que j'ai pas de patience aujourd'hui. Comme d'habitude. Oh my god. Zaïcha! Come on! Putain de bois! Moi, je dirais bien que c'est tellement fort parce que là, il y a tellement de bugs avec les arbres. Des fois, là, oh my god, là, j'ai également envie de dire que c'est une alpha. Il y a tellement de bugs, là, à un moment donné, j'arrive avec mon char. En fait, il y a Sam, en fait, qui arrive dans la. Qui me suit dans le labyrinthe bleu pour avoir du bois bleu, en fait. Là, il est rendu dans le bateau, puis là, son char, il glisse. Là, ça fait comme ça. Bon, le char, il ressort fucké. Malheureusement, j'ai pas de facecam, alors je peux pas, genre, imiter avec mes mains, alors, voilà. Genre son char genre renversé à l'envers n'importe comment. C'est rendu que son char comme genre les roues s'en vont à l'envers comme ça, tout en envers crush à l'envers, je sais pas quoi. Là, le char il revole genre d'un genre, il retourne sur le bateau. À l'envers, là c'est rendu que Sam il revole dans l'eau. Heureusement le bois bleu, il y en a pas trop qui sont envoyés, sauf que Sam il était genre dans l'eau, il était trop loin pour être sur le bord de la surface, alors il a fallu qu'il quitte. Alors j'ai dit essayer. C'est juste à rouge qui dit rester une demi-vie, il était vraiment loin alors il fallait qu'il quitte. Direct. Quoi? Ok, désolé si j'ai pas parlé à cause de l'envers qui m'a posé une question. Alors, il a fallu que je coupe le micro. Juste pour répondre à sa question. Donc, ok, on va continuer. En même temps, on va peut-être tester aussi la fameuse scie sur les gold twigs. Juste pour voir si c'est vraiment efficace. Ting. Paf, 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 paf. Paf, 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 quelques jours plus tard. Ah oui, aussi, demain, je sais pas si je vous l'ai dit, mais demain, j'ai une croisière. À mon école. On approche de la fin de l'année, alors, je vous promets que. Même que les vacances d'été commencent, je vais vous en faire beaucoup des vidéos. Peut-être au moins deux par jour. Bonne qualité quand même. Même durant les fêtes de semaine. Pour être sûr de rattraper mon retard. Alors qu'en fait, ça tente pas trop de faire des vidéos juste à cause qu'en fait, je m'en vais genre à l'école. Et là, rendu à la fin de la journée, je suis genre fatigué. Alors ça tente pas vraiment de commencer à faire une vidéo. Alors voilà, parce qu'en fait, après ça, je vais être obligé de faire le montage puis tout ça. Ça va prendre du temps. J'aime mieux faire des vidéos pas trop longues. Sinon, on met genre des petites vidéos comme ça pour le fun. Alors, c'est ça. Et aussi, les présentations de mode,
Vous avez commencé à prévoir ça aussi, commencer à faire des présentations de mode. Ça serait quand même cool. Alors, je vais peut-être commencer ça à partir de mardi soir. Alors, si en fait mon école va finir à mardi, alors ouais. Ok, retournons sur la croisière. En fait, demain, je m'en vais à une croisière. Et là, en fait, ça va être vraiment cool, alors que ça va se passer à Montréal, tout ça. En fait, on va être sur un bateau, ça va durer à peu près 2 heures. Et ça va être une genre de croisière, là, comme genre avec. en fait, avec mon groupe d'école, avec un autre groupe d'école aussi. Et c'est ça. Et c'est vraiment cool, là. En plus, en plus, nos parents, ils n'avaient pas besoin de payer, alors ça compte mieux. Et puis, c'est ça. Et puis, si jamais je fais une avance rapide largement, j'ai rien qu'à répéter toute la même affaire dans l'autre. Fait comme genre, mais que l'avance rapide, je vais finir. En tout cas, je vais essayer de me rendre à 24 000 pour acheter mon morceau de terrain. Alors, voilà. Comme d'habitude, ça va être un épisode de 30 minutes. Pas trop long. Parce que je vais peut-être essayer de récolter le plus de bois que possible. Alors je sais plus ce qu'ils ont retiré de l'Excalibur. Qu'ils ont enlevé l'Excalibur des bois que la sorte est impossible à avoir. Ben voilà. Et en même temps, j'ai découvert un petit truc aussi il y a pas mal longtemps. Pour les Gold Tui. Vraiment cool là. En tout cas, tu prends le Gold Tui, tu t'en vas dans ton char avec, là tu le mets dedans. En sautant comme ça, boum! Il est dedans. Là, tu fais ça de même. Voilà. Et tu t'en vas avec. What? Merde, le gros jambe est poigné dedans. Putain, il est dedans. Voilà. J'espère que là, il va pas être poigné. Voilà. Oh my god. Voilà, comme ça. Allons-y. Désolé si je parle pas trop, j'ai pas vraiment d'idée quoi dire alors. Sinon, peut-être que plus tard, comme genre, mec, rajoute le nouveau exotique que j'ai quand même beaucoup de poids, je pourrais faire un genre de petit unboxing comme que j'ai fait, comme genre dans l'ancienne vidéo. Un unboxing pour avoir en fait, le nouveau exotique, le cake furnace, c'est un genre de four cake. J'ai un faux cordon, what the hell? Voyons donc, c'est quoi ça? Oh my god, il y a trop de bugs dans le jeu! Il y a trop de bugs! À un moment donné, j'arrive, je prends mon. Je fais apparaître mon. Je fais genre apparaître mon char dans ma base, puis là, c'est rendu que là, mon char est genre pas disparu, alors quand je l'ai fait respawner, il s'est genre. Coincé dans l'autre sorte, c'est n'importe quoi. Là où, là, tu te cachais, c'est une roue au plein milieu de ma base, aucun rapport comme ça. Heureusement que ça a pas. Heureusement qu'en quittant, ça l'a enlevé. Parce que sinon, je pense que j'aurais dit, oh my god, là, c'est ancien. Voilà. On va tester ça. Immédiatement. Boum, comme ça. On va l'avancer comme ça. Voyons voir, ça fait vraiment effet. Ting ding ding ding. My god. Sérieux. Ah, quand même. Deux coups de scie, puis ça va. En plus, ça l'a coupé parfaitement. Regardez, on va prendre ce bout-là, on va le mettre là, on va prendre lui, comme ça. On va le mettre comme ça. Hein, c'est vraiment utile. Très utile. Attention avec cette scie-là. Si tu te fous juste devant que tu l'actives, ça peut te tuer quasiment d'un coup. Alors vous devez faire très attention avec cette scie-là. Assurez-vous de ne pas être devant comme ça, dans sa face comme ça, sinon quand tu veux l'activer, il va te couper à la face et là tu vas mourir. Si tu pourrais perdre tes haches à cause de ça, ça serait un petit peu con comme fail, alors voilà. Oh my god, ça l'a mal coupé. C'est juste un petit défaut. Si tu le mets mal, ça le coupe mal.
sais pas si celle-là va l'accepter. Alors, on va le mettre quand même. Voilà. On va essayer d'avoir un petit peu d'argent quand même. Sinon, cette branche-là est quand même trop facile à couper. Regardez ça. Trois coups. Et je pense pas que celle-là, ils vont le mettre. Ils vont l'accepter, alors on va le mettre quand même au cas où. On va prendre celle-là. Comme ça. Voilà. Celle-ci-là, je l'ai depuis avant la fin de la bêta, grâce à Voldy, alors voilà. Oh, elle a encore mal coupé. En plus, le genre de bruit qui fait wouah comme ça, mais j'aime vraiment ça, c'est vraiment réaliste comme bruit. C'est vraiment comme genre quand on commence avec une vraie scie. Ah, ça a l'air qu'on m'a coupé. Puis il y a une bûche de coincée là. Voilà. Comme ça. Par exemple, il y a beaucoup trop de bruit ici, alors il faudrait vraiment que je m'achète un autre terrain. Comme ça, je pourrais peut-être faire un autre storage à bois. Pour tous les sortes de bois. Ou les mettre sur ce coin de terrain là. En chez eux, c'est le bordel. Sérieux là, il y a rien que du bois ici. En plus, il y a déjà des petits morceaux là, il va falloir que je fasse de quoi avec ça, parce que là, ça sert strictement à rien. Même si je me suis sur une tiny tail, ça prend au moins rien que 16%. Là, 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 on va prendre le plus de bois possible. Comme ça. Imaginez la scie comme ça avec un spooky wood. Oh my god, ça doit prendre du temps à couper. Attendez, il reste encore du bois là. Ok, c'est un bois normal finalement. Hop, comme ça. On va vendre des petits morceaux de bois comme ça. De gold to it. Pour éviter le gaspillage, parce que si je quitte avec une bûche d'arbre, mais ça va disparaître. Ah oui, en même temps, un jour, à un moment donné, j'arrive une journée. Je suis dans le bas du compte là. Là, moi, comme genre, j'arrive sur le wiki, là, ça dit que les Spooky Wood, ça se trouve encore. En fait, des Spooky Tree, ça se trouve encore un peu n'importe où, dans les montagnes, mais vraiment très, très, très rare. Et en fait, t'es vraiment un gros chanceux si tu trouves ça. Dans n'importe quelle saison. C'est-à-dire, quand c'est à loin, c'est rare à voir, mais quand c'est plus à loin, c'est extrêmement rare. Comme genre. Alors, moi, je décide, comme genre, d'explorer les montagnes. Là, je prends un Gold Tree, quand même grand. Puis là, j'accote sur des bouts de montagne comme ça pour monter de plus en plus haut. Puis là, je suis rendu que là, je vais barre dessus la grotte du marécage de la swamp. En fait, où je suis les gold tweet, puis il y a les gens. Puis les zombies tweet. Les arbres zombies, en fait. Puis c'est ça. Il y a rien. En haut, il y a strictement rien. J'ai tout exploré. J'ai quasiment tout exploré les montagnes de la map. Alors, il y avait rien. Mais pas tout de la map, mais voilà. Et strictement rien. C'est sûrement pas vrai ou sinon c'est vraiment extrêmement rare.
Finalement, je vais peut-être filmer 45 minutes juste au cas où si je réussis à faire l'avance rapide. Parce que sinon, ça va pas durer très longtemps. À peu près 20 minutes. Alors, on va faire 45 minutes. Rum rum, ouais, yeah. Un coup de lag. On va voir combien je vais vous donner, voilà, ça. D'accord, on peut faire 1000$. On va se rendre à 20, pas 21, mais 24 000, ou non? Non, pas pour tout. Moi, je vais vous donner ça. 2$. À un moment donné, j'ai déjà mis vraiment un petit morceau de bois, mais vraiment minuscrapique. Et en plus, c'était même pas une planche, c'était un zombie wood comme ça. Un zombie tree en fait, un bout de zombie tree comme ça. Un genre de minuscopique tronc. Et devinez combien je me donnais, rien pour tout. Ça m'a retardé. Rien à foutre avec ces petits morceaux là, c'est rien que faire un test. Là, je suis rendu que ces affaires là dans ma poche, alors là, j'ai vent. Et après ça, juste après avoir fait le premier étage ou le deuxième étage de ma maison, je vais commencer à faire une sorte de pièce. Et en fait, le but, cette pièce là, en fait, elle va être créée pour collectionner tous les types de bois qu'il y a dans le jeu, même les spooky wood, tout ça. Peut-être pas le grey wood, mais voilà. Genre durant l'Halloween, on va essayer d'avoir. Ok, ouh, sinon on pourrait en acheter. Sinon, on va venir. Dans une minute. J'ai pas parlé, j'ai encore un moment qui me pose une question, ou peu importe. En tout cas, il y en a un foutu trisomique mental qui s'appelle QS, je sais pas quoi, qui s'est foutu dans ma face devant mon char, alors ça fait tirer son arme dans l'envers, c'est rendu qu'avec mon véhicule, il n'y a pas de barre de vie, alors là, oh my god. Donc là, en ce moment, je serais supposé d'arrêter l'avance rapide. Alors là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre à part de ça? Je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire puisque je suis déjà riche. À part faire la maison. D'abord, je sais pas quoi faire. Je sais pas trop quoi faire à part faire ça. Bon. Je sais pas trop quoi faire, il n'y a rien d'autre à faire. Sinon, il faudrait quasiment que je commence une série sur Lumber du compte 2. Moi, j'ai une idée, ranger le bois. Ça, je peux faire une avance rapide, je sais pas quoi. Parce que là, c'est fou vraiment le bordel, là, ici. On va ranger le bois. Il n'y a pas grand chose à faire pour ça, alors, ouais. Voilà. Là, on va ranger le bois comme d'habitude. Ça, voilà.
J'ai pas trop de questions. Ce bois-là, ceux qui pensent que ça, ici, c'est du palmwood. En fait, ce n'est pas ça. Ça, en fait, je sais pas si c'est du bois blanc d'en haut là-bas ou du bois de l'hiver, mais j'avoue que ça ressemble vraiment beaucoup à du palmwood quand même. En fait, c'est rien que du bois d'hiver. Pour ceux qui pensent que c'est du palmwood, là, qui vont dire « Oh my god, comment t'as fait? » Mais en fait, c'est pas du palmwood. C'est un bois d'hiver. Pour ceux qui posaient la question, c'est quoi? Alors maintenant, vous le savez. Oh my god, ça serait tellement cool si je serais en multijoueur. Genre, exemple, il y a une autre personne qui m'accompagne comme ça, puis là, il arrête pas de parler dans la vidéo, là. Oh my god, ça serait vraiment cool d'avoir ça, là. Ça serait vraiment utile comme genre, exemple, on se compte des jokes, tout ça, puis que là, ça devient encore plus drôle, là, qu'il y ait plus d'affaires, là, dans la vidéo. Ça, j'aimerais bien savoir ça. J'ai déjà demandé à mon meilleur ami, en fait, ça s'appelle trop. Puis il m'a dit comme genre qu'il avait pas de micro, il a dit non, c'est correct. Alors, voilà. Malheureusement, je pourrais pas, peut-être pas. Sinon, ça serait vraiment plus cool, là. Parce que des fois, comme genre, quand il rejoint dans la robe, là, pis que là, je suis en train de faire une vidéo, mais quand il parle, je suis obligé d'écrire, alors des fois, j'arrête de parler, puis là, j'écris, alors, voilà. Par exemple, s'il compte une joke, mais là, ça va être un petit peu moins drôle, parce que, en fait, il fait un clic rire, alors voilà. Tandis que si le diagramme, putain, on va rire, pis là, boum. Ok, on va continuer le mélange. Et tout ça à ramasser. Wow. J'ai vraiment hâte d'avoir une grande barre. Désolé, c'était mon nez qui était à moitié bougé pour une raison. Maintenant, ça devait aller. Végétation de mode, je vais peut-être commencer ça durant les vacances d'été. Et en même temps, durant les vacances d'été, je vais commencer à faire plusieurs vidéos par jour. Alors, parce que, en fait, je vais avoir beaucoup de temps. Je vais peut-être travailler un petit peu pour faire des petits jobs que ma mère va me demander. Puisqu'on est l'été, pour éviter qu'elle reste trop à l'intérieur. Mais j'avoue, je pourrais faire d'autres fenêtres aussi, alors ça peut être meilleur, mais voilà. Ça, alors je vais faire des petits jobs, par exemple, de 1 heure, mais je trouve qu'après ça, je vais peut-être avoir comme genre une dizaine d'heures pour jouer, alors ça va faire que là, je pourrais faire plusieurs vidéos. Alors j'ai vraiment hâte à ça. Bon, mais voilà. J'ai pas grand chose à faire pour l'instant, alors. Pour ceux qui trouvent ça ennuyant, vous pouvez skipper la vidéo, tout ça. Ben, y a pas grand chose à voir, je trouve. Faudrait quasiment que. Il rajoute vraiment beaucoup d'affaires, là. Comme exemple, il rajoute un genre de grotte qu'il va falloir que tu explores, pis tout ça, pis il va y avoir des arbres en stone, pis tout ça, qui va être beaucoup plus intéressant que de tout le temps faire la même affaire. Ça, là, ça serait tellement. Waouh, là. Aussi, à un moment donné, j'ai déjà rejoint des Foltio aussi dans ce genre de jeu, en fait. Et en fait, c'est. En fait, je pense dans le marécage de Lumber du compte 2, puis là, il y a comme genre la roche, en fait. Tu sais, vous connaissez la roche, là, comme genre avec le genre de minerai rouge en dessous, là, qui brille un petit peu, là, que on se demande bien c'est quoi. C'est la roche qui est vraiment en jeu, qu'il faut avoir à peu près 2-3 TNT pour détruire. Ben, en fait, il y en a un qui a fait une idée avec ça. En fait, ils ont refait la map. Dans le bas du compte bleu, mais pas complet, rien que le marécage. Là, souvent dans le marécage, ils ont mis des mains invisibles dans le marécage. Puis là, en fait,
Ils ont mis comme genre des nous comme ça, des genres de petits nous comme ça. Juste comme genre dans les endroits les plus importants, avec une bulle. Là, quand tu cliques, ils disent des affaires pis tout ça. Puis là, au début, comme genre, t'apparais quelque part dans le marécage. Là, il y a la TNT. Et puis après ça, avec la TNT, mais tu peux faire sauter la genre de roche comme genre. Avec le genre de minéraux, habituellement, mais quand ça va le faire sauter, ça va faire disparaître la roche. Puis là, il va quand même avoir un trou avec une cave. Là, il va avoir des stone tree et des pink tree. Des pink tree aussi, c'est des genres d'arbres qui brillent. Là, des photos, il a visité ça, il arrêtait pas de regarder un petit peu partout pour voir c'est quoi. Alors, j'ai comme une sorte d'idée en fait que quelqu'un a eu dans l'Humble du compte 2, puis là, il aura fait toute la map entière pour ça. Et c'est vraiment une bonne idée quand même, j'aimerais bien sûr qu'ils mettent ça. Je trouve qu'il y a pas beaucoup de voix quand même dans l'Humble du compte 2 parce que, comme genre. Oh, j'ai. En fait, il y a beaucoup de bois, mais je trouve que le problème, c'est qu'ils sont tous faciles à avoir. Tandis que des bois rares, il n'y en a pas beaucoup. Le lava tout, en fait, il faut juste que tu traverses un volcan, alors c'est bien connu. Le Blue Wool Buff est quand même compliqué un petit peu, mais je trouve que là, à un moment donné, tout le temps refaire le labyrinthe en même temps, tu commences à être plate. Sinon, c'est quoi le bois rare? Ah, le Gold Tree, mais je trouve que ça, il faut juste que tu ailles dans ce marécage, il y en a partout. Moi, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir, ça serait un peu comme le Spooky Wood, en fait. C'est comme exemple un arbre qui apparaît un peu n'importe où dans la map, mais qui apparaît bien rarement. Ça vient en fait comme exemple d'à peu près comme genre 0,11% de chance, exemple de l'avoir. Comme genre de le voir apparaître comme ça, puis exemple dans 3 heures à pousser comme un Spooky Wood comme ça, là, comme genre encore plus rare qu'un Spooky Wood. Un peu pareil comme un Spooky Wood, mais quoi, ouais, plus rare. Comme ça me dirait plus comme genre de venir explorer les montagnes, ça serait encore beaucoup plus intéressant. Il y aurait comme genre un bois plus rare, pis là voilà. Ça serait vraiment intéressant, on le trouverait, on dirait oh my god, j'ai trouvé le bois le plus rare du jeu. Là, juste la porte dans la porte, là, tout le monde dit oh my god, t'es tombé chanceux dans vos choses. Et fin. Donc, le reste du bois, je vais peut-être le mettre sur le côté. Ça serait vraiment cool s'il mettrait un bois comme ça, parce que je sais que le Spooky Wood, je trouve que le point, c'est que le Spooky Wood et le Sinister Wood, ça se trouve uniquement quand l'Halloween. Et ça, c'est une fois par année, hein. Ça dit en fait un mois, ça dit 31 jours. Ça dit on a 31 jours par année pour ça. Alors voilà. On voit que c'est juste après les vacances d'été. Sinon, je peux en acheter, mais je trouve que ça, c'est une autre affaire. Hop, comme ça. Ouf, c'était vraiment le bordel. Ça commence à donner de plus en plus libre, c'est cool. Hop, comme ça. Ou exemple aussi, peut-être si acheter beaucoup plus de magasins, je sais pas, en même temps, ça serait cool si ajouter des bateaux ou tout ça. Ouais, j'aurais peut-être une petite idée aussi pour l'Humble du compte 2. En fait, comme genre de rajouter un genre de portail Gineta, en fait, qui téléporte vers un genre de monde de l'enfer, en fait, avec des genres, comme genre, avec genre des genre de lave un peu partout, en fait, comme exemple, comme genre dans le volcan, là, je sais pas si vous savez, mais comme une genre de grotte cachée dans le volcan, qui est impossible à traverser, mais il faudrait comme genre, exemple, qu'il y ait un portail dans cette grotte-là, genre bien caché, qui est quand même dur à avoir, comme genre, à rentrer dedans. Comme genre, il faut que tu fasses un genre de parcours, que tu rentres dans ce portail-là, et là, en fait, après, en fait, ensuite, t'apparais dans ce monde grand, comme à peu près comme la map ici, mais en fait en version enfer. C'est-à-dire, en fait, comme genre, t'arrives. Là, en fait, c'est l'enfer. C'est-à-dire, en fait, il y a de la lave partout, des pierres rouges, peu importe. Là, en fait, on trouve, exemple, des arbres de lave un peu partout. Comme ça. Là, tu perds pas de vie quand t'arrives là. Ou bien, sinon, tu perds de la vie, mais comme genre, ou que t'achètes une genre de hache spéciale, exemple. Comme exemple, t'arrives avec la Fire Egg, exemple. Là, quand t'arrives dans ce monde-là. Ben, ça te protège du feu, c'est-à-dire en fait le feu de ce monde-là va t'empêcher de brûler. Allez, ça va pas t'enlever de vie. Là, exemple, t'explores un peu partout comme ça. Là, exemple, dans ce monde-là, peut-être qu'il pourrait mettre, exemple, une autre sorte de donjon avec des arbres à trouver comme ça. Puis, en même temps, du bois rare. Exemple, un genre de bois de lave, mais en version Spooky Woo comme genre. C'est une autre idée aussi. Bon, je t'avais d'avoir fini mon rangement de bois.
Voilà. Encore trois planches. Deux. Un. Et zéro. Voilà. J'ai fini. Donc, ça fait 42 minutes qu'on filme. Alors, j'ai dit 45 minutes. Alors, on va attendre à peu près 4 minutes et 30. Donc, en attendant, je sais pas trop quoi mettre. Quoi faire. On va couper un tronc d'arbre pour le fun. Ouais. On va couper le plus petit possible. Pour le fun. Hop, comme ça. Boum, 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 comme ça. Le plus petit possible. J'avoue, moi j'allais vraiment ce petit là. Lol. De plus en plus petit, à un moment donné, ça va être une mini pièce. Hop, ça. Ça pas détruit non plus la patente. Oh, allez, on va le torcher un petit peu plus. Voilà. Oh my god, ha ha ha. Il va être tellement petit. Comme ça. Ok, il est trop petit, ça fait moi. Nope, il coupe pas. C'est sûrement la limite. Ouais, c'est la limite. Ok, on va tester. On va enlever ça. Alors, habituellement, quand je quitte, ben ça, c'est genre à terre, mais c'est genre. My god, ça prend du temps, mon enlevé. Voilà, c'est beaucoup plus libre. Donc, en tout cas, on va vendre ce morceau de bois là. Ou même celui qui est encore plus petit. Comme ça. Voilà. Hey, on va refaire rushmon les chars là, on va voir si on va pogner un char en or. Pas en or, mais un rouge. C'est extrêmement rare. Sam, il y en a déjà eu un, mais je trouve qu'il s'en foutait, alors il est parti avec, il en aura fait rushmon un autre, alors bah ouais. Nope, un char noir. On a pas vu ça. Pas grave, on s'en fout. On va vendre ce morceau de bois là qui sert strictement à rien. Regardez combien que ça va donner. D'après moi, dit 1$ ou même 0$. Mais on va voir. Point, comme ça. 0$. Ah 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 ah, 0$. Trop drôle. Boum. Juste pour le fun, on va allumer les petites lumières, comme ça. Et c'est là qui veut pas s'allumer pour aucune raison. Donc en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Et aussi n'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez que je sois un petit peu plus sur le fly ou peu importe, comme ça. Si vous voulez comme genre que vos amis voient la vidéo. Et aussi n'hésitez pas aussi à vous abonner si ça vous intéresse. Ma chaîne vous intéresse puisque là vous ne voulez rien manquer. Je vais absolument voir toutes les vidéos que je mets ou peu importe. Et aussi, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire comme exemple, un petit conseil ou comme genre exemple si on rajoutait un secret dans le mode du compte 2 que je connais pas encore, qui ont pas précisé encore, mais comme genre précisé, c'est-à-dire comme genre ils l'ont pas encore dit dans les changes log. En fait, ils lisent pas comme genre pour être sûr que ce soit vraiment secret à 100%. Et puis c'est ça. En tout cas, bye bye!